Salut les amis, Tech, Océane, tu dis bonjour? Bonjour tout le monde, qu'est-ce que tu fais Océane? Qu'est-ce que tu fais? Je fais des bracelets? Oui, des bracelets pour les enfants. On a bientôt fini les deux supports latéraux qui étaient les plus longs. Donc là, voilà ce que ça donne, le rendu de chaque côté, ce qui va être. Mais je suis très satisfait, très très satisfait. Je pense que ça va être joli. Bon, ben on a fini. On va voir ce que ça donne. Hein? On a fait le premier pan. Allez, voyons, voyons. Voyons, voyons, voyons. Et qui tu vas me dire si tu vois aussi clairement de, à l'intérieur? Avec rideau, sans rideau. On a vissé sur le plexi tout simplement, on y a mis du téflon pour que ça pénètre bien sans accroc. On a mis au dessus mais je n'ai pas, voulu le mettre en bas pour le laisser se former. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est tendu. Donc j'ai même voulu rappeler la le noir que l'on voit ici en y ajoutant ceci. Donc je trouve que c'est réussi. Qu'est-ce que t'en penses toi Vincent? Ouais, je trouve que c'est bien. Hein? En plus à l'intérieur on voit presque pas. Allez, alors c'est voilà, c'est occultant. On va rentrer à l'intérieur, voir ce que ça donne. Exactement. Mais sinon. Voilà, avant, donc on va plier les rideaux et comme ça on pourra au moins voir nous de l'intérieur vers l'extérieur et les personnes comme le soleil vont pas pouvoir rentrer. Ah ouais, on n'y voit rien, super, allez voyons. Ah non, je suis content du résultat. Alors? Oh là là, mais c'est extraordinaire. Hey, on voit. Ah ouais. Ah c'est génial. Ah c'est super. Franchement, on est comme si on voyait sans les rideaux, sans les. Là. Ah ouais, je suis content. Mais on continue, hein. On continue, on continue. Et aujourd'hui, mercredi 12 juillet, nous sommes partis Sainte-Anne, de la baie de Sainte-Anne. Nous sommes restés une dizaine de jours pour me remettre de mon malaise que j'ai eu au large de où nous étions pour revenir à la Pointe Diamant. Alors ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de Facebook, notamment sur la page Catamaran Sipper, l'ont pu voir que j'avais remercié la SNSM qui est venue nous chercher. Où moi j'ai été hospitalisé pendant une douzaine d'heures suite à un gros vertige. Donc c'est un vertige paroxystique mineur. En somme, c'est des cristaux qui se sont accumulés dans les oreilles et je suis tombé. Raide. Tombé, tombé, tombé. Donc là je suis encore sous traitement, sous tanganyl, ça va très bien, nettement mieux même.
Et là, on se dirige à Sainte-Lucie pour aller aux Grenadines. Yeah! Tout le monde nous dit que c'est super. Hein, Nounou? Oui. Alors, on a mis le Genex ce matin. Il y a 20 nœuds devant. On file entre 8 et 8,5. Et voilà d'où nous sommes partis. La baie de Sainte-Anne. Et nous allons naviguer le long de Sainte-Lucie, mais là, au vent. L'île où on va prendre l'île au vent et non pas sous le vent pour pas qu'il y ait des ventes, parce qu'on marche super bien là, voilà, 8,5 comme on peut le voir, on a entre 18 20 nœuds de vent, vent de travers, c'est royal. On a de la houle mais pas de déferlante, donc Sea Pearl se comporte super bien. Et là c'est la Martinique que nous quittons, que nous allons revenir dans 3 semaines. On a mis les cannes à l'eau, les 2 cannes. Alors j'espère que on va pouvoir attraper du poisson, notamment du mai mai, parce que ça fait bien longtemps maintenant. Voilà, toute voile dehors avec le Genex, c'est super. Je tenais encore une fois à remercier la SNSM, le marin, pour leur réactivité à l'appel de Kiki. Alors Kiki, elle avait fait appel, d'abord elle avait appelé, comme on était près des côtes, le 112. Et le 112 s'est mis en relation avec le poste du marin de la SNSM, qui s'est mis en relation après avec les téléphones portables. Pour savoir notre position, etc. Il s'avère que Kiki et Vincent se sont comportés royalement bien. Ils sont venus à bord. Il y a 3 personnes qui sont venues à bord. Après, ils ont amené le bateau Sea Pearl au quai de la SNSM. Donc franchement, je tenais vraiment à renouveler tous mes remerciements à toute l'équipe et notamment à Nico qui se reconnaîtra. Merci encore. Je te dois un resto avec Nathalie, il n'y a pas de souci à notre tour. Et voilà, je tenais vraiment à... C'est une équipe formidable aux marins. Et merci encore à vous. Nous sommes au large de la Sainte-Lucie.
Nous avons 15, 16 nœuds de vent apparent, 17, on est jusqu'à 20 nœuds de vent apparent. Et 6 perles, 9 nœuds, on a fait une pointe de 11 nœuds. Incroyable, c'est notre plus grande vitesse que nous ayons fait actuellement. Et on navigue entre 8 et 9 nœuds. C'est incroyable. Donc nous sommes en haut, au nord de Sainte-Lucie. Toujours sous Jenek. La houle est vraiment impressionnante. Et on a préféré prendre Sainte-Lucie au vent et non pas sous le vent. Comme ça, nous maintenons toujours une bonne vitesse. On a fait une pointe de 11 nœuds. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. 11 nœuds, on file. Nous longeons toujours Sainte-Lucie, nous sommes proches des côtes, toujours au vent. On a 29 mètres de fond et toujours au vent. Donc on avance bien, on avance à 9 nœuds avec 17 nœuds de vent. C'est vraiment très sauvage ici. De ce côté, c'est très 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 sauvage. Mais la mer est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment très hachée. On peut le voir. On a l'impression d'être sur un cheval au galop. Là, ouais. Lâché. Mais on voit au loin Sainte-Lucie où nous avons décidé de ne pas nous arrêter, de faire d'une traite Sainte-Anne pour être juste ici à Saint-Vincent et les Grenadines. Donc nous allons mouiller dans cette anse. Voilà où il y a un mouillage. Nous sommes actuellement donc. Il y a 6 nœuds, 7 nœuds de vent apparents. Bon. Donc on a la grande voile, un moteur, le moteur tribord en fonction. Donc on arrive avant. Donc là il nous dit qu'on arrive à 18h, 18h30. Donc on arrive d'ici 1h, 1h15. Avant la tombée de la nuit. Donc pour qu'on puisse bien piocher. Et nous voilà arrivés à Saint-Vincent. Voilà, on s'est pas arrêté finalement, on devait s'arrêter à Sainte-Lucie, mais il s'avère qu'il y a eu quelques histoires, pas plus tard qu'il y a 15 jours, où il y a eu une agression. Donc bon, on n'a pas voulu, on avait des super conditions, on a navigué 80% du temps avec le Jenneker, on a été au vent de l'île. Donc c'est sûr que ça, il y avait plus de houle, plus de vagues, mais le vent était en continu. On était à 19-20 de vent apparent et on marchait à 9, on a même fait une pointe à 11 nœuds. Super. Et là, magnifique île de Saint-Vincent. On va mouiller dans une anse à l'abri de la houle pour cette nuit. Et demain, nous irons, donc on va mettre le pavillon jaune et nous irons demain un peu plus bas pour faire notre clairance pour rentrer dans Saint-Vincent et les Grenadines. Voilà. Voilà notre journée. Donc on était parti ce matin de du Marin et on a fait d'une traite le Marin Saint-Vincent. On est très, très content parce que le skipper l'a super bien marché et bon, on n'a pas eu de touche. On a eu une touche, mais elle s'est décrochée. Maintenant, je pense qu'ils ont la technique. C'est-à-dire, je l'ai vu, hein, dès que le crin est parti du moulinet, au moment où j'ai freiné le moulinet,
j'ai vu la dorade coryphène sortir de l'eau et se débattre. Et elle s'est enlevée le leurre. Bon. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Le récif de Saint-Vincent est vraiment très pittoresque. C'est incroyable, on se croirait à Jurassic Park, l'île de Jurassic Park. C'est très vallonné, montagneux, mystérieux, je dirais même. Il y a une coulée de boue. C'était juste cela. Un pan entier, ouais, on le voit derrière. Hein. Un pan entier de la montagne s'est détaché. Et c'est très 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 joli. Très joli. Et on va encore une fois admirer un coucher de soleil. C'est aujourd'hui 13 juillet. Nous sommes partis de notre mouillage ce matin. On va se rendre à Kingston pour faire les formalités d'entrée dans Saint-Vincent et les Grenadines. Et je voulais vous montrer ce paysage à couper le souffle. Toujours ces montagnes. C'est extraordinaire. Je trouve ça mais d'une beauté incroyable. Il y a un super mouillage. Alors le nôtre a été un peu rouleur cette nuit. On était bien content de partir, mais ces falaises à pic, c'est magnifique. À Kingston, incroyable, on n'a pas pu s'amarrer clairement pour faire notre clairance, pour faire du gasoil, on n'a pas pu clairement, il n'y a rien, aucune infrastructure pour pouvoir amarrer un bateau de plaisance, tout est réservé pour des cargos, pour des ferries inter-îles et en plus c'est pas très beau. Donc du coup, on va faire non-stop, hein, on va bécouer. Là par contre, il y a de quoi faire la clairance. Et je crois qu'il y a également... mais par contre, c'est des battle boats qui livrent du gasoil avec des autopompes, etc. C'est ce que j'ai cru lire sur quelques commentaires, etc. Bon, on va bien voir, on va bien se rendre compte. Hein. Mais bon, déçu là de Kingston là, à Saint-Vincent, pas d'infrastructure, dommage. On va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. 3 mètres là. Waouh, c'est sacré creux. Et sur bâbord, un petit ferry. Un petit, regardez pas ce qu'il fait. Alors les enfants, ça vous plaît? Oui, ouais, c'est un manège. C'est un manège, à sensation là. Hein. Des sacrés creux de travers. Ça se tient devant. Et là, on se rend à... Où on se rend là, Vincent? Je sais pas. Bécoua. Ben voilà l'île. Bécoué. Bécoua, Bécoué. Bécoua. Regarde, ça c'est les vagues du ferry là. Là, ça c'est. Là, ça va couper. Ah ouais, là on a vraiment des 2-3 mètres de temps en temps, c'est impressionnant. Ouais.
à Pékoué. Et on est entre l'île de Saint-Vincent et Pékoué qui se trouve ici. On arrive dans 3 quarts d'heure, mais alors, il faut. Mais c'est incroyable! Des creux de 3 mètres. Attention! On se tient! Des sacrés creux! Il se tient! Mais surtout, tenez-vous à quelque part! Hein. Il ne faut pas vous tenir que tous les deux! Wow. Et pourtant il n'y a que allez 18, 22 devant hein. Mais la houle est impressionnante. Wow, c'est pas... plein de moutons. Et on va se mettre à l'abri par là-bas. Et on va faire notre clairance également d'entrée. Parce que il s'avère que nous étions à Kingston et rien n'est prévu pour faire l'immigration et faire la clairance tout simplement. Donc à Pékoué il y a de quoi, il y a un beau mouillage bien profond au niveau de la baie. Je pense qu'il y a pas mal de, déjà il y a 2 catamarans là qui s'y mettent là-bas, il y aura pas mal de monde. Donc on va faire notre clairance parce que nous sommes partis hier de Sainte-Anne. Et on va visiter les Grenadines. Enfin, les Grenadines. Voilà, on est arrivé à Pékoué. Nous sommes à côté de la maison à punch, à cocktail, etc. De la musique, de l'ambiance. Ben, c'est typique des Antilles. Hein. Pas mal de catas au mouillage. Donc on est à l'ancre, donc on a 1m20 de tirant d'eau et on a mouillé avec 2m20, mais on va aller voir l'ancre justement, on va voir où, comment elle a pioché. Alors les enfants, allez bien? Ah bah ça qui s'étouffe, t'as bu la tasse ou quoi? Yeah.